Je me demande. Oh, 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 c'est énorme. Ah, trop drôle. Eh bien, salut tout le monde, c'est Sikor, j'espère que vous allez bien. On est devant le shop, on est deux devant le shop. On est deux devant le shop. Exactement. Tout à fait, on est deux devant le shop. Et on a de nouveaux objets, on va en profiter tout de suite. On est dans la foulée du Manafit dominant et c'était que d'émotion, on va pas se mentir. Ouais. Donc moi, je peux acheter une veste de combat et je vais en acheter trois pour la peine. Et alors moi, j'ai pas mal de choses intéressantes, dont les super repousses que je demandais à me faire rajouter parce que c'était un petit peu embêtant. Donc je vais en prendre 5. Du coup on va pouvoir mettre des repousses pour retourner à Liège. Parce que maintenant qu'on a la canne à pêche, on va pouvoir faire la zone qui est présente là-bas. Elle est où? Elle est où? Elles sont mes repousses. Je te les ai piquées. Ah oui, voilà. Moi c'est des simples repousses. Donc Liège c'est où déjà? C'est la ville Western. C'est en arrière, suis-moi. Par là? Non. Ouais, si c'est par là. Hop. Tu t'en vas et tu retournes à Liège. Et en fait ici, regarde. Il y a de l'eau? Ouais. Ah mais donc on peut surfer. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est grand-mère. Qu'est-ce qu'elle veut? J'ai trouvé une capsule d'argent ce matin devant ma porte. Ce doit être un cadeau de remerciement de Goopix. Prends-le, tu le mérites plus que moi. Ah, une capsule d'argent. Donc c'est ça, à quoi la capsule d'argent? En gros, ça te permet de changer un IV, de le mettre à 31. Donc c'est intéressant. Ah, c'est abusé. Et capsule d'or? Ça te met tous tes IV à 31. Non. Pourvu qu'ils reviennent un jour. Et regarde, là t'as une zone d'eau. Du coup, on peut faire la zone. Oh, c'est énorme. Eh ouais. Petite astuce, tu vois. On commence l'épisode avec une petite astuce. Je vais pêcher. Donc, il en a un. Ouais, ça, il y en a un, ça va être rapide. On a un ragdo, ça va être très rapide. Ah, il a perdu la zone. Non, je rigole. Bon, au moins, Grelocox, c'est un truc qui redonne des PV à chaque fois, donc c'est pas dégueulasse. À chaque fois qu'on attaque. À chaque fois qu'on attaque, on récupère de la vie, donc ouais. C'est pas déconnant. Et... Oh, allez. Trop bien, trop bien. Mon il aura pas absentéisme. Oh, ça va taper tellement fort. Oh, t'es calé. Je ne pouvais pas demander mieux. Oh, insecte, il a attaqué là. Maintenant, on va voir ses attaques. J'espère qu'il a pas des attaques genre toutes cassées. Coq. Oh là là, si ce truc-là, il a du soin en plus, mais. On va faire piste au point, voir les dégâts. Donc, même s'il y a 10 niveaux d'écart, ça reste mon limite. Non, c'est non, sur plan de fait. Ouais, mais... sur plan de fait, c'est à 80 quand même. Donc attention. Oui, alors qu'il a 10 niveaux de plus. Ouais, hein. Voilà, donc ça tape. Ah, il a eu coq. Oh l'enfer. Eh, mais c'est quasiment un légendaire le truc. Et la musique. Alors, bah, du coup, vous l'entendez pas. Alors, vous l'entendez chez Siko. Ce qu'on fait dorénavant, c'est que quand c'est l'épisode de Siko, il y aura son. Et quand c'est mon épisode, ce sera mon son. What, il a hydro-queue. Non, mais il tape fort alors qu'il a 10 niveaux d'écart. C'est abusé. Ouais. Et du coup, si vous avez reconnu cette musique, alors nous on le sait parce qu'on l'a vu avant. Il y a deux musiques et celle-ci pour les vrais joueurs. Ah, mais je me suis trompé de côté en fait. C'est pas ouais, voilà. D'accord. Je vais amener Kikli. Mais ce truc là est tellement bien. Ça démarre super bien. Alors, exuviation. Oh, mais comme il est pété. Ah, mais je vais tout casser. Ça a des herbes blanches pas loin. Lui aussi, il peut tout me casser. Oh non, t'appelles pas à l'aide alors que t'es placé à plus de mon pote. Fais pas ça. Ouf, ça va. Bah, tu m'étonnes, t'as pas besoin d'aide là. Je peux faire le travail tout seul. Tu alors. Peux envoyer, là non Là je vais amener une balle. Moi ça j'ai envie d'avoir les effets moi. Tu parles de quoi? J'ai envie d'avoir les petits tourbillons. Alors, on va prendre la super balle, on va tenter. Là je suis pas serein quand même. Parce qu'à plus de, on a vu les dégâts sur le viscuse. Ouais, mais moi elle va pas parler. 2. 3. Créaturé! Cette chose là. Pourquoi on a pas parlé? Je sais pas, tu méritais pas. Je voulais quelque chose d'argent. Oh oui, ce Monaf limite de l'amour. Oh, oh, allez! C'est Kranidos. Ça va. Donc, Kranidos avec Monaf limite. Il est trop calé le tien. Alors là. Je pense que c'est potentiellement l'un des meilleurs Poké depuis ce début de l'aventure. Je vais l'appeler Mona King. Tu vois, c'est quand même le papa. Mona King. Ah, est-ce que Mona Flemid? Oh là là. Alors, on va voir le résumé de Mona King. Call of Force.
Mythique nature, c'est pas dégueulasse. Ah, il a une nature un peu moins bien. Ouais, la nature est pas exceptionnelle. Mais waouh, ça, ça claque quand même. Ça, c'est feu. Wow. Alors, on va le mettre au PC pour l'instant, mais ça va faire un très très bon joker pour la suite de l'aventure. Ouais. On va l'emmener dans une mode PC, on va récupérer la L-Force. Wagon 2, d'abord, derrière Loubé. Non, j'ai peur. Machouille. Ça tue pas Machouille? Non, vas-y, fais pas de bêtises. Ouais, voilà. ok. Hey, Barry Jumper. Yes. Quand j'étais petit, j'étais fan de Cowboy. On est d'accord. On est d'accord, ça permet d'utiliser des reboosts. 2, 3. Et capturer. C'est bon, tu l'as mis comment? Vas-y, Do. Monaking. Monaking. Moi, Kalidos, t'as toujours des Pokémon pas évolués. Hein. Ah, ouais, toi, c'est. Alors que moi, j'ai que des trucs évolués. Ouais. Toi, tu profites plus peut-être du random Nawak. alors ici, je vais mettre Vénina en première position. Regarde, bleu et rouge. Ah oui, parce que on croit déjà croisé en Shiny. Ouais, à l'école de dresseur. À l'école des Naroktubers. Je vais l'appeler. Oh oui, j'ai un bon nom. Tu l'appelles comment? Osgang. Osgang. Ouais, pas mal. Osgang. Osgang. Mais c'est bien de les appeler en fonction de leur ce qu'ils étaient au début. Oui. Parce que comme moi, ça, tu connais l'origine. Alors, et le résumé, il a pickpocket. C'est pas il est plus attaque moins défense, bon, c'est assez dangereux. Voilà l'objet que tu as l'attaquant quand le Pokémon subit une attaque directe. Ok. Allez. Okay. Donc. On va au simularbre. Ah oui, c'est vrai, le simularbre. Oh là 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 là, trop de choses à faire. C'est immense chibre et fascinant. N'importe quoi. J'aimerais l'étudier à loisir. C'est pas vrai. Si c'est vrai. Si c'est vrai. Si c'est vrai. Ah, qu'est-ce que c'était? On aurait dit des êtres inférieurs. Nous sommes dans un monde étrange. Si je ne m'abuse, il s'agissait juste de Pokémon. Enfin bref. Quel dommage quand même. Nous sommes ici pour étudier le Nawaktube et pour réveiller notre saint bien-aimé. Alors ne perdons pas notre temps à écouter les cris des Pokémon. Oui, nous devons étudier le Nawaktube et réveiller notre seigneur. Mais j'ai envie de combattre ce magnifique Pokémon que nous avons capturé tout à l'heure. De toute façon, nous avons déjà avec nous le plus adorable des Pokémon. Ah oui, c'est là où on va l'affronter. Ouais. Oh oui, montre-le-moi, il a de si beaux melons. oubliez ce que j'ai dit. C'est pas faux, et comme j'aime le sortir à tout va, je vais te le montrer. Et on va l'affronter dans un combat. Vous parlez de quoi? De votre pénis, c'est ça? Glou. Ma paire de ça et moi, on va te battre. Waouh, la chance. Partant, notre Pokémon va te faire bander. Au moins, ils ont le même objectif, tu vois. Alors, combien de Poké? Un seul. Mais c'est la musique de... Lipoutou. Je me demande... Oh, c'est énorme! Ah, trop drôle! C'est énorme! Il a tué! Oh, il est génial! Mais non! Mais c'est la musique de... I want you, baby. Na, 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 na. I love you, baby. Oh, il disait un défense plus. Eh oui, c'est vrai qu'il avait ça. Bah, en tout cas, il est mort. Ah, mais la musique est faite exprès parce que c'est Lipoutou! Oh! Comment ça, il est mort? Il est pas tenu. Mais c'est grâce à défense. Ouais, mais il a augmenté la défense spéciale. Allez là, Saumur. Super potion. C'est pas que l'aura Gainor, ça? Je crois. Alors, coupe ses ressources en état croissance. Ah, j'aurais dû refaire point météor. C'est énorme. Ah, ils ont trop bien taffé dessus, hein. Ah ouais, mais là c'est chaud, parce que s'il fait psycho, je peux aller... Il a quoi comme attaque? Tiens, pas perdu, dis-moi ce qu'il a. Mais il a pas les mêmes, je crois. Si. Coupe ses ressources en état croissance? Il l'a fait, toi? Moi, il a pas encore attaqué. Et il m'a pas attaqué. Je vais pas laisser l'occasion. Donc coupe, on va partir du principe qu'il a le même. Vendetta. Ouais, ils ont les mêmes, du coup je peux rester avec. Crevette, il est bon aussi. Ah, oh, c'est trop bien. Ah, oh, c'est énorme. Ah, oh, j'adore. Mais il est trop beau. Mais ouais, ils ont carrément réussi. Ah, je kiffe. Il va prendre Racine, c'est pas le bon bail, Racine. Ouais, après t'es... Ah, je reconnais la musique. Ah, tu reconnais, mais quand il y aura le refrain? Échange de psy pour Vénina. À la place d'étreinte que je vais jamais utiliser, c'est pas déconnant. Il va prendre poudre toxique. Bah alors, Vénina, bah c'est très bien. Et à la place d'échange de psy, parce que c'est pas déconnant. Tous ensemble. Allez, tu. On met l'ambiance. Avec le micro. Élastique niveau 29. Il va prendre botte sucrète. Mais c'est trop bien ça. À la place de trancherbe. Love you, baby. Nanananana. I love you, baby. J'ai fait preuve d'une faiblesse. La faute me revient entièrement. Oh, mais ils ont géré de ouf. Et le pistopoint. Merci pour ce combat. Je commence à mieux saisir le comportement de la team Nawak personnellement. Vous n'êtes pas si faible en fait.
J'entends les... Tu ne voudrais pas nous rejoindre plutôt par hasard? On n'a pas des... que des vieux barbus. Des vieux barbus. Notre combat peut paraître débile car tout aujourd'hui... car tout ce qui n'est pas mainstream aujourd'hui le sera peut-être demain. Qui sait, n'hésite pas à nous rejoindre en, en tout cas, on est déjà deux. À plus. On est déjà deux. Ça fait beaucoup quand même, hein. Je me demande s'il y aura de la place pour moi. On est déjà 11. C'est le truc de Norman. Alors, du coup, c'est pas une... Est-ce, c'est une nouvelle zone, la route 6 ou pas? Uberi Jumper. Non, quand j'étais petit, j'étais fan de Cowboy. Ouais, mais non, pas cette fois. Alors, est-ce que c'est une nouvelle zone, la route 6? Bah bien sûr c'est une nouvelle zone. Bah allons. C'est juste avant le truc de... Bah allons-y. En tout cas bah attends, on va écouter la musique. T'as vu comment elle m'accueille? Les fesses Alors attends, je dois niaiser. Faut pas faire ça hein, parce que y en a, ils en ont eu plusieurs comme ça. Moi ce qui m'a frappé, c'est à quel point on a été nuls. Dis-moi, tu ne préférerais pas rejoindre la mainstream? Je t'assure on a des cookies et on est drôle, même si on a l'air dégris. Non, bon bah j'aurais essayé. Elle a plus. Oh oh, my god, Blizzard. Wow. Et Amonista. Et du coup, donc c'est une musique de Mario Kart, celle-ci. Dans Mario Kart 8. Alors, ici, avec Vanina, je vais faire point météore sur le Blizzard. Ouais, je vais le faire aussi. Et ici... J'ai peur de l'attaque. Oh, je vais pas te mentir. Il ne va pas me mentir, c'est un bon partenaire. Ouais, c'est parce que c'est chiant, parce que j'ai pas vraiment de switching. Clotilde en famille. Du coup, ici je vais faire. Oh, Amonistar et Blizzaroi. Ah, mais c'est les mêmes maintenant. Je sais pas. Ah, bah zut, ils ont mis les mêmes. Ok, Amonistar. Et ici, on va claquer la petite Fatal Foudre. Du coup, tu t'imposes. Tu deviens Blizzaroi. Ok, point météore sur Amonistar. Fatal Foudre. Oh non, il a loupé. Narcin, ça va. Il a loupé. Il te pique quoi? Une corne, ça va. Alors, il a que ses attaques feu. Coup, il a feu et combat en fait. Ça fait un peu mal, mais ça va. Je résiste, je prouve que j'existe. Et on va retenter Fatal Foudre sur Amonistar, on n'a pas le choix. Ça, il a que ses attaques feu. Qui ça? Bizarre. Ouais. Ok. Non, il a coup de corne. Oui, feu combat est normal. rien que ça. Ah, bah tiens, meilleur. Du coup, Amonistar dégage, c'est une feu combat normal. Du coup, il peut pas toucher mon. Non. Mon 8000 degrés, 7000 en vrai. Du coup, canicule, ça va pas faire grand chose. Penina qui va bien le tenir, qui va bien le vivre. La burn. On va éviter. Donc, ici, on va mettre une super potion. Comment il tient ce truc là? De quoi? Amonistar? Ouais, t'es une méga fouée. Et derrière, on va. Je crois qu'il sert à rien. Je tiens les coups, mais il sert à rien. On va faire rayon chargé, on va se booster. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Mais je pense que là, il va spam mécanicule en soi. T'as dit combat, feu et normal. Combat, feu, normal. Donc je peux pas amener à la rigueur visqueuse. T'en penses quoi? Oui. Merci monsieur. Oui, biscuit, bien sûr, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que je vais faire du coup. Shaman Prince et je vais. J'ai pas pris de boost. Donc on va continuer à faire rayon chargé encore. T'es embêté? Bah, un peu parce qu'il m'a fait marteau point, c'est mal quand même. Oui, je pense bien. T'as toujours ta Berry? Ah, il a 53 en défense. Alors, rayon chargé, on n'augmente pas. Allez, augmente l'attaque spéciale s'il te plaît. Oui, c'est ça qu'on veut. Ça, on aime bien. Canicule, 7000 degrés et vite. Reviens. On fait pas grand chose dans les deux cas. On va passer un tour à mettre deux potions. Ça me paraît pas dégueulasse. Hop, une pour toi. Qui fait le chaos. Et une pour toi. Comme ça, double potion, on s'embête pas. Ouais. Moi, genre, le son manger est un peu ralenti, je suis qu'à 70%, c'est bizarre. Oui, c'est vrai, c'est assez bizarre. Après, genre, c'est un combat duo avec une méga, donc ça explique peut-être beaucoup de choses. Marteau point, ah, il m'attaque pas, très bien. Du coup, ici, je vais faire piston point. Oui, c'est pour ça, c'est parce que voilà. Et derrière, je vais faire Fatal Foudre. Tu m'as l'air bien concentré, c'est si compliqué. Bah, marteau point, c'est mal en fait. Ah, ouais, c'est vrai que ça fait son pesant de cacahuètes. Ouais. Et Fatal Foudre A plus 1. C'est pas efficace. C'est pas efficace, mais j'ai rien de plus fort pour le toucher.
Lugula ressent attaque feu. Non mais en vrai ça me manque un peu, je t'avoue. Oh non, la zone. Déjà? Ouais. Oh, allez. C'est quoi ça? C'est Blind Alice. On dirait une couille. Mais non, j'en veux pas trop. Quoi que si tu me diras, ça va évoluer rapidement. Mais au prochain niveau. Au prochain niveau. Donc c'est bon. Ouais. Du coup, ici, on va. Donc ce sera un peu une surprise. Bah, ici, je vais pas m'embêter. Hein. Bah oui, Pokéball. Pokéball. Blind Alice, c'est pas ce qui va me faire peur en vrai. Et ici, c'est tout chauve. Un. Deux. C'est tout. Ouais, c'est tout. Il l'a mal pris peut-être. L'âme sainte. Oh, ça va pour ça. Ouais, il s'embête pas. Attention. Ici, je vais faire riposte. Parce qu'il peut, il va pas me faire de gros dégâts. Du coup, moi, ça me permet de l'affaiblir un peu. Bon, après 6 fois 2, ça fait 12. 12, bah c'est pas mal. On va continuer. Il fait quoi? Vampirisme. À chaque fois, il me fait ça. Et la coup critique, il me tue. T'as enfin réussi à te débarrasser du Blizzard Roi? Enfin. Pas trop tôt. Hein. Alors, ici, riposte. L'âme sainte. Ok, on va spammer. Il me fait pas trop peur. 4 PV par 4 PV. Si on peut, on va retenter. À la rigueur. Oh non, il appelle à l'aide. T'as pas besoin. T'as pas besoin. Merci. Il suffit de le dire. Voilà, tu vois. Tu dis t'as pas besoin, ça marche. C'est comme froncer les sourcils. C'est même bail. C'est même technique. 1, 2, 2, un seul. 1 et 2, et non. Ah, mais c'est obligé là. Ouais, c'est un rappel, ça sert à rien. Ça se revend. Ça se revend, oui. C'est vrai que ça se revend 1000 Poké-Dollars. Bah ouais. Dans cette génération, c'est pas des. Toi, t'as des dresseurs et moi j'ai les herbes. Très bien. Bon. Est-ce qu'il y a une CT de ce côté-là? Ah. Qui est cachée, c'est pour ça que je voulais aller là-bas. Ah, j'avais d'accord. Oublié, ouais. Et comme les CT sont random. Bon, deux Pokémon, Pikleron. C'est lui. Ok. Allez, appelle pas l'herbe. Oh non, 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 t'as pas besoin, t'as pas besoin. Enfin, Kaorin. C'est pas ce qui m'arrange le plus. Tu retardes l'échéance, Blind Alice. Tu le sais. Célébration. Je vais venir, Omar. D'accord, il peut rien faire. On va le calmer. Quoi qu'il a, l'âme sainte et vampirisme. C'est pas vraiment la meilleure idée du siècle que je viens d'avoir. Entrave et vampirisme. Ouais. Est-ce que tu as récupéré pas mal? Mmh, ouais. Bah, avec la différence de niveau, il a 10 niveaux de bah, moins. Bah, il est insecte ça... aussi. Ouais, ça joue. Alors, ici, Saumur sur le Kémorse. Il est le cadeau a... Oh, c'est beau ça. Félicitations, Maurice. Ça veut rien dire. Mais qui s'appelle Maurice? C'est le dresseur? Peut-être, oui. Ou non, c'est toi. Mais je m'appelle pas Maurice. Non, c'est vrai. Le pêche-lounette. Oh. Non, tu es l'arbin. Oui, c'est vrai, je suis l'arbin. Encore célébration, ouais. Très bien, alors ici Félicitations Maurice. Bah je suis bête, j'ai une filet bol, ça va passer. Par contre si j'arrive pas à le capturer, je comprends pas. Genre j'ai utilisé plus de balles pour un Blind Alice que pour un Monaflémite. On est où? Attends mais 1, 2, 3. Capturé. Merci. Bien joué. Tu disais Engouture est meilleur en spé? Légèrement. D'accord. Ah je suis pas sûr, je sais plus. Il me semble qu'il joue spé. Hein. Il se joue spé parce qu'il a un meilleur move pool sur le plan spé. Ouais. Il me semble que les stats c'est pareil. Ah, c'est Maurice. Félicitations Maurice. alors on va l'appeler Chauvinette. Chauvinette, intimidation de Stracy. D'accord. C'est que ça intimide un petit joyau. Vous aurez qu'un caillou comme ça. Ça me fait trembler, ça me fait froid dans le dos. Ouais, psycho boost. Calindri! Hello darkness, my old friend. Ça va, il a tenu, mais. Heureusement qu'il a une attaque de merde. Hein, toi, il est fait, hein? Ouais, il est fait. Tu ferais mieux de partir. Je pense, oui. Ah, psycho boost, ah oui, ça baisse mon XP. Ouais, là, tu t'en vas. Yes. Chauvinette! Alors, résumé de Chauvinette, tu as quoi? Il a que deux attaques. Arôme à voile, c'est quoi? Ou Draco Phoenix? C'est sympa, j'ai pas de Draco Feu. C'est bon, la nature. Ouais, c'est pour ça qu'il me faisait aussi mal. Il avait c'est quoi de... Aroma Voile? C'est le talent de aromatiste qui est cocotine. Tu peux ça pas fait te... quoi? Tu peux pas te faire provoque. Ah d'accord. C'est intéressant. Mais de toute façon il va évoluer. Mais on va l'envoyer au PC. Et on va récupérer la Dracophyte. Donc on va ranger l'objet dans le sac. Et je vais aller me soigner comme toi. La petite astuce de d'Arnaud, elle est très viable. Elle est 100% faire chez vous, gratuite. Ouais. C'est sans danger. Vous pouvez faire ça avec les enfants. Vraiment, c'est satisfait ou remboursé, franchement. C'est healthy. Oui, 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 c'est ça, c'est bon pour le corps.
Et ici, tu te soignes aussi en même temps. Ah, sauf que le lait à boire n'est pas si bon pour le corps finalement, hein, pour les adultes. Donc si vous avez du lait de soja ou voilà. En fait, ça c'est parce que normalement quand vous êtes adulte, vous avez plus les enzymes au niveau de la salive et vous êtes plus censé être capable de digérer le lait. Donc si vous êtes toujours capable de digérer le lait, vous êtes entre guillemets des mutants. Voilà. C'était un petit. Enfin, si t'en prends pas beaucoup, je pense que. Ça dépend, il y en a qui sont vraiment intolérants. Donc tu ah, il y a mieux. Il y a mieux. Moi je l'ai déjà avec lui. Bon allez, nouvelle zone. J'ai peur qu'ils soient pareils chez toi et chez moi. Mais j'ai piqué les ronds aussi. Mais oui, c'est les mêmes poké, faut que je lui dise de... Pourquoi il a il fait des trucs bien et après ça revient. Mais voilà, qu'est-ce que tu tombes sur ça? J'ai pas déjà eu Varloche. Comment ça c'est après? J'ai pas déjà eu Varloche. Non, tu avais capturé. Non, c'est moi qui ai Barbie. Ah oui. Eh hey, mais Arbok point metteur sans limite, pourquoi c'est solide. Pourquoi moi j'ai fait sable volant et pas lui? Ah parce que je suis plus rapide du coup. Non c'est bizarre. En fait je l'ai d'abord fait imposteur et j'ai calqué son talent. Ok ouais bah du coup ouais. Mais il a sable volant. Intimidation de Stracy. Eh ouais. Ouais j'ai des rapid ball, on va faire ça. Hop, point météore. Est-ce que ça tue même pas? Avec l'intimidation ça tue pas. Ok. Allez, 1. 2. 2. 3. 3. Et capturé. Capturé. C'est vraiment bien ça les rapid balls, j'en ai pas eu moi. Ouais. Et du coup j'avais peur d'avoir la CT écume aussi. Ah ouais. Du coup je vais pas aller la chercher. Non si, va voir quand même. Va voir aussi. Va voir. Va chercher bonheur dans le prêt. Provoque. Ah, j'aime bien provoque. Ouais, mais c'est chaud en random parce que. J'aime. Pour anticiper. À moins si de faire sur les dominants. Ouais. Mais bon, ils peuvent se placer. Du coup, ils t'attaquent. Voilà. Mais je vais l'appeler Larvin, tiens. Il y a une tête de Larvin. Ah, on est là. Tu devrais y venir ici en journée. Larbino. Larbino. Il a quoi comme talent? Bah, il a sable volant. Il a sable volant, attends, je vais vérifier, mais normalement, c'est ça. Sable volant, la rome fait et rengorgement. Ok. Alors. Ça part. En fait, c'est de la musique. Les sbires de la team troll qui envoie Simi à bras. Shiny. Shiny. Eh oui, c'est vrai. De toute façon, je pense qu'on va s'arrêter après ce combat là. Ouais. Bon, on va rentrer dans la ville un peu. Ouais. On va. Et y a oui, parce que dans ce centre Pokémon là, on peut acheter des CD. Ah oui. Donc, c'est quoi ça? Il a fait quoi? Il attend qu'une cible agisse. Ah, ouais, c'est saisi si tu fais une attaque non offensive. Donc il a anneau hydro, saisi, bourdon, dark lariat. Ok, ça me va. Insecte ténèbres. Insecte ténèbres, bah, tu peux. Ah, t'as pas vraiment de safe. Ouais, on va frapper ici. Ça va défoncer. Hein et moi là, Somnia, on va frapper deux fois plus fort et j'da. Saisi. En vrai, l'animation elle est cool, mais. Anneau hydro. Boum. Ça dégage. Allez. Donc Venina niveau 29, bon vu le nombre de capacités qu'elle a mis genre juste avant, ça va pas en apprendre avant des siècles. Niveau 28, ce serait bien que tu apprennes niveau 31, ce serait bien aussi. La queue de fer niveau 31. La queue de fer. Tu vas apprendre balance. Non, c'est pas intéressant. Oh la rue de la fistinière que j'ai trouvé. Non, rue de la fistinière, c'est énorme. Normalement, ils vendent des CT. Yes. Alors t'as quoi? Photocopie film faire vif rock et pièce aux dés. 50 000 c'est trop cher. 50 000 ouais c'est cher. Pour tout ça, de toute façon c'est pas terrible. C'est dommage. C'est dommage. Genre j'aimerais bien laser glace, tonnerre, lance-flamme. Ouais bien sûr. Alors, qu'est-ce que j'ai? Astuce point mitra point Octazuka. Est-ce que c'est intéressant? Et capacité? Augmenter la puissance des capacités. Octazuka c'est physique ou spé? Spé? Ah ouais. Invoque de fortes pluies. Ah oui, non, d'accord. Mais c'est astuce force, ça inverse la défense et l'attaque. Et mitra point. Est-ce que c'est intéressant? Vrai, bah non. C'est dommage. Bon, on va s'arrêter là. Ça, c'était l'épisode sur ta chaîne. Oui, c'est ça. Avec le Lipoutou, I love you baby. Exactement. Et dans le prochain épisode, on ira sur ta chaîne. Il y a aussi un grand centre commercial où on peut acheter plein de trucs aussi. Ici ouais, oui, il y a bras des prix. Et ben, on ira dans le prochain épisode. Ouais, ça peut être sympa. Ça peut être intéressant.
Vous verrez ça dans le prochain épisode. Et puis on se rapproche bientôt de la prochaine épreuve qui est l'épreuve de type feu. Voilà. Vous verrez ça dans les prochains épisodes. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de lâcher le pouce bleu. Et on se dit à très vite. Bye. Ciao. Bye.